Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde afin de partager sa parole. Nous voulons rendre grâce à Dieu pendant quelques minutes. Père de grâce, merci encore une fois pour cette opportunité que nous avons de rester dans ta présence, d'écouter ta parole et d'entendre ce que tu as à dire à ton peuple. Nous recommandons ces instants à ta grâce. Inspire-nous, guide-nous, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire revienne au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire avec nous et pour nous depuis que nous sommes dans ce combat contre le coronavirus. Gloire à Dieu, nous sommes en train de voir de plus en plus, on parle de déconfinement, alors qu'au début on parlait de plus en plus de confinement. C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre, les portes sont en train de s'ouvrir. Les églises ont commencé à reprendre de part et d'autre dans le monde entier. Gloire à notre Dieu. Et nous croyons que très bientôt, dans notre pays, les portes des églises vont encore se réouvrir et nous célébrerons la grandeur et la puissance de notre Dieu qui est en action. La fois passée, nous avons commencé notre sous-thème intitulé « L'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats ». Vous savez, le Saint-Esprit crée toujours la différence. Le Saint-Esprit est très puissant et sa puissance marque la différence. Partout où il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a toujours la différence. Dieu agit à travers la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons promis de voir certains facteurs qui nous aident à déclencher, à vivre les effets de cette puissance. Et nous allons partager une référence dans la Bible qui va nous inspirer et nous conduire dans les messages de ce matin. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 17. Romains 1, 17. Avant de lire, j'aimerais rappeler une chose. C'est que dans ces combats très importants contre le coronavirus, notre objectif n'est pas seulement de nous attarder contre le coronavirus, mais c'est de donner au peuple de Dieu l'équipement nécessaire pour faire face à n'importe quelle éventualité, à n'importe quelle circonstance, que ce soit le coronavirus, que ce soit n'importe quel problème, mais vous avez un outil, vous avez un pouvoir qui vous aide à surmonter toute épreuve et toute situation compliquée. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. À travers ce verset, la Bible nous dit que la justice de Dieu se manifeste par la foi. Et que tout ce que Dieu le fait avec nous et pour nous, il le fait par notre foi et il le fait pour notre foi, pour honorer la foi. Et il conclut en disant, le juste vivra par la foi. Pourquoi on dit que le juste vivra par la foi? Les niveaux de vie, les niveaux de victoire, les niveaux de puissance que nous pouvons manifester dans notre vie dépend du niveau de notre foi. Si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit se manifester et être libéré puissamment dans notre vie, cela sera fonction du niveau de notre foi. C'est ainsi que nous verrons dans les Écritures beaucoup de gens qui ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ceux qui ont vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie, cela a toujours été fonction du niveau de leur foi. Ils ont osé expérimenter la parole de Dieu. Ils ont osé mettre leur foi en action.
Vous verrez l'exemple de Pierre, qui, ayant vu Jésus marcher sur les eaux, il a demandé, il a dit, « Seigneur, si c'est vous, ordonne que je vienne vers vous, mais sur les eaux. » Jésus dit, « Pierre, c'est bien moi, venez. » Et Pierre sort de la barque, il commence à marcher sur les eaux. Arrivé quelque part, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Jésus vient à son secours, et Jésus lui dit, « Pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi ?» Donc, ce qui a fait enfoncer Pierre, ce n'était pas les démons qu'il avait dans la mer, ce n'était pas les sirènes, ce n'était pas les principautés, mais Jésus lui dit, « C'est parce que vous avez manifesté une faible foi. » Et la faible foi l'a aidé à marcher pendant un temps, et après, il s'est enfoncé. Gloire à Dieu. Dieu honore toujours la foi. Il vous sera fait toujours selon votre foi. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, quand elle est déclenchée, la puissance du Saint-Esprit accompagne la foi. Elle honore toujours la foi. Elle est toujours derrière la foi. Plus la foi monte, plus vous pouvez manifester le surnaturel, plus la foi grandit, plus les miracles, les signes, les prodiges vont se manifester, plus la victoire aussi sera certaine. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus. La seule chose que Jésus recherchait dans ces gens, c'était la foi. Il voulait voir si la foi peut être activée et s'il pouvait leur dire qu'il te soit fait selon ta foi. Il nous sera toujours fait selon notre foi. La puissance du Saint-Esprit est réelle. Elle est palpable. Elle est à l'œuvre. Mais pour l'activer, pour la mettre en action, pour vivre ses effets, elle a besoin de notre foi. C'est pourquoi même quand on parle d'Abraham, la Bible dit qu'il fut fortifié dans sa foi. C'est quand il a été fortifié dans sa foi, il a cru. Il a espéré contre toute espérance et il est devenu père de la multitude. Alors que tout semblait s'arrêter dans la vie, tout semblait être dépassé, mais la foi l'a rajeuni. La foi l'a rendu capable d'avoir encore des enfants. La foi fait manifester la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit a honoré la foi. Rappelez-vous aussi le cas de Lazare. Enterré, ça faisait déjà 4 jours. Il sentait mauvais. Il était dans un état de décomposition. Sa famille ne croyait plus. Mais Jésus a dit à sa sœur, dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dit, « Si tu crois, si seulement tu peux croire, alors tu peux voir. » Bien-aimé, on ne peut pas voir si on n'a pas commencé par croire. Pour voir la puissance de Dieu, pour voir la puissance du Saint-Esprit dans ces combats, dans notre vie, dans n'importe quel domaine, quelle que soit la maladie, quelles que soient les circonstances, que ce soit la stérilité, que ce soit le chômage, que ce soit n'importe quel problème. Mais la puissance de Dieu, quand elle est en action, le naturel s'incline, elle cède la place au surnaturel. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il veut que ses enfants vivent ses merveilles, vivent sa puissance, palpent les réalités de la vie surnaturelle. Et c'est là au moyen de notre foi. Jésus lui a dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. » Aujourd'hui, il nous dit la même chose. Il dit au monde entier, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez. Si vous croyez à la puissance de Dieu, vous verrez les portes des églises s'ouvrir. Si vous croyez à la puissance de Dieu, vous verrez ce coronavirus s'arrêter. Si vous croyez à la puissance de Dieu, vous verrez les frontières se rouvrir. Si vous croyez à la puissance de Dieu, vous voyez même tous ceux qui étaient sous l'emprise de ce coronavirus être guéris. Gloire à Dieu. Nous saluons toutes les guérisons qui sont en train de s'opérer dans le monde entier. Partout, le nombre de guéris est plus important que le nombre de décédés. C'est la preuve que notre Dieu est en action. Si vous croyez, alors vous verrez. Très bientôt, cette histoire de coronavirus appartiendra au passé.
parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. Sa puissance agit encore. Le Saint-Esprit est encore en action. Il est encore opérationnel. S'il pouvait ramener à la vie quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, quelle que soit la pourriture de la situation, Dieu, par les canaux du Saint-Esprit, peut transformer n'importe quelle situation pourrie en un témoignage. Je crois par la grâce de Dieu que très bientôt, avec le Saint-Esprit, votre situation se changera en un témoignage. Et je crois que dans le monde entier, dans tous les pays, des témoignages vont s'élever de la victoire de Dieu, de la victoire du Saint-Esprit sur ce coronavirus. Il est temps que le monde s'élève, que les chrétiens s'élèvent, non pas seulement avec des souhaits, mais que la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de la foi, soit en action. Il nous sera fait selon notre foi. Nous croyons que nous avons vaincu, parce que la Bible dit, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus nous croyons, plus la puissance de la victoire va nous accompagner. Le corona est vaincu, le corona est vaincu, et il appartient au passé, parce que la puissance du Saint-Esprit, et là, elle marque la différence. Rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que chacun décide de croire en ce pouvoir. Que chacun décide de croire que même si vous êtes dans un environnement où il y a le corona, la puissance du Saint-Esprit peut anéantir cela. N'ayons pas peur. Croyons en Dieu. Saisissons la puissance du Saint-Esprit. Activons la foi. Plus la foi grandira, plus les ténèbres reculeront. La puissance du Saint-Esprit vous soutiendra, parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Décidez d'expérimenter la main puissante de Dieu. Le pouvoir de la foi amène la main de Dieu à entrer en action. Alors, ne restez pas assis, ne dormez pas, mettez-vous debout, activez la foi et la puissance du Saint-Esprit vous soutiendra. Nous croyons par la grâce de Dieu que nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et même après le corona, nous expérimenterons les merveilles de Dieu, parce que le Dieu de la Bible nous soutient. Gloire à Dieu. Je suis convaincu qu'en ce dimanche, la puissance du Saint-Esprit qui est libérée à travers ce message vous touche. La puissance du Saint-Esprit touche tout celui qui est affligé, tout celui qui était fatigué, tout celui qui était découragé, tout celui qui était dans le désespoir, tout celui qui était alité, tout celui qui était sur le point de rendre l'âme. Gloire à Dieu, il revient, il redevient normal. La puissance ressuscite, la puissance restaure, la puissance guérit, la puissance agit. Les stériles reçoivent les enfants, les chômeurs retrouvent du travail, les entreprises qui étaient détruites reprennent vie par la puissance du Saint-Esprit au moyen de votre foi. Croyez à cela et Jésus qui est le vainqueur est avec vous. Que notre Dieu vous bénisse. Nous croyons que les miracles vont vous accompagner. Nous croyons que des signes et prodiges vont aussi vous accompagner, parce que Dieu a décidé d'honorer votre foi. Que notre Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis.